Beat, c'est moi. C'est Osun, oui, c'est moi. On va du coup continuer Pokémon Crystal. Alors, on espère qu'aujourd'hui le live nous va planter. Je rappelle que pour Typhlosion, j'ai fini. Alors, ceux qui voudraient savoir, la rediff de Typhlosion est en ligne. Voilà, c'est juste que je l'ai fini hors live du coup en fait, parce que ça buguait trop, ça faisait que trop de plantes, ça m'avait saoulé. La connexion voulait pas revenir, je laisse tomber, allez hop, on va finir ça hors live, je vais faire ma vie et tout va bien aller. Aujourd'hui, normalement, on espère que ça ne va pas planter, on va faire Tortank et Alligator dans cet ordre-là. Je pense que j'aurais dû en vrai mettre, comment dire. En vrai, j'aurais dû mettre, comment dire. Rome Station s'est fiché dans le disque D, mais le problème c'est qu'en fait, je sais pas, ils ont pas envoyé plus la musique. J'ai dire, j'ai peur pour les sauvegardes. C'est pas comme si on avait quelque chose à foutre des sauvegardes en fait. Mais non, en vrai, je suis incapable de vous dire pourquoi ça bug autant quoi. Alors par contre, ce que je vais faire. C'est de la place, la corbeille est vide, élevée du processeur détecté. Ouais, mais tu me dis pas qu'est-ce que c'est en fait qui fait une tension élevée du processeur sans fait. En fait. C'est ça qui est chiant en fait. Explique. C'est que tu me dis ça, mais ça me sert à rien en fait de savoir. Mais vraiment, ça me sert juste complètement à rien en fait. Après, on va pas se mentir, Rome Station, si je vois, il prend un peu de ressources. Hein. Bon, il prend genre. En vrai, il prend genre 10% quoi. Mais Explique aussi prend 15-10%, c'est beaucoup en fait. Hein. Sur tous les trucs, en vrai, c'est un peu chiant, quoi. Je regarde qu'il prend du pourcentage. Système, ça prend du pourcentage, mais c'est quoi système? J'ai envie de le dégager, mais je trouve ça important. Parce qu'il n'y a pas d'icône ni rien. Deux secondes, je vais faire un truc. Je vais dégager tous les téléchargements. J'ai joué à... Merde, je vais réussir à parler. J'ai joué à Pokémon Pearl hier en live. J'ai joué une heure et demie, ouais. Je me suis fait chier, j'ai arrêté. Triste, mais c'est vrai. Voilà, j'ai enlevé tous les trucs qui me paraissaient assez gros, là. Je pense que là ça doit être bon, je vérifie genre en fait. C'est sûr qu'il y a déjà quelque part. Ça aussi. Ça on dégage. Ça on dégage. Ça on dégage. Là. Et juste là, on va faire beaucoup de place, du coup. Hop, moins de chance, je me dis. Putain, on avait 24 fichiers vidéo, quoi. Enfin, il y a aussi des images dedans. Une petite dizaine d'images, quand même. Et du coup, là, on va être bien, là. Apparemment, pas du tout, vu qu'en fait, le truc est toujours dans le rouge. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui fait que le truc est dans le rouge, parce que j'avais installé plein de gens, en fait. Hein. Document. XP de présentation, utilisateur. On perd le temps parce que c'est pas ça. Je cherche qu'est-ce qui fait que le truc peut être autant autant niqué quoi. Ah mais si, il y a ça qui prend de la place aussi. Hein. Ouais. Il y avait encore la VOD de l'épisode 2 de Pokémon XD quoi. Tac, on lance le jeu. Attendez, me dis pas que la musique a encore disparu. Oh, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai vraiment énervé pour le coup.
secondes, je vais quand même checker. Non, c'est bon. Alors, les tortanques, du coup, ça va être bien. Ah, ouais, du coup, je remets le viewer counter parce que maintenant. J'ai vu leur counter, pourquoi? J'ai agrandi le truc. Bah. Ah, c'est qu'il est pas affiché, d'accord, putain. Oh là là, bande de merde. Non, j'ai pas enlevé le filtre VHS hier soir. Je suis vraiment une merde. Ok, c'est bon. Et on est parti, nouveau jeu. Non, je suis pas un garçon, non. Mais qu'est-ce qui me passe en genre? Quelle heure on est? On est 15h en vrai, un jour. Bah du coup, 5h. Non. 3h, ah il y a une 3h du coup. Ouais, il est 5h51, du coup on va dire qu'il est 52. Au début, j'ose pas trop appuyer vite parce qu'en fait, ça. C'est comment dire, c'est. Comment dire. C'est. C'est en fait, c'est les noms, le sexe, tout ça. Donc oh, il fait jour, c'est trop bizarre! Donc j'ai vu du soleil, je crois que c'était pour Coxy Clark. Alors là, j'ai testé un truc que j'ai pensé hier soir en fait. On jouait à Perle. Cheat. Cheat list. C'est quoi le numéro du coup de Carapuce? Je sais pas si c'est. Attendez, c'était quoi? C'était 06 ou 04 pour Salamèche? Ah putain, je sais plus c'était quoi Salamèche. En fait, c'est le numéro du Pokédex National. Mais est-ce que j'ai le numéro du Pokédex Social? Non, je n'ai pas le Pokédex Social. Je sais jamais qu'est-ce qui vient après le type plan dans le Pokédex. C'est le type eau ou feu en fait, je ne sais jamais. Alors attendez. Pokédex National. Liste des Pokémon dans le Pokédex National, merci. C'est le type eau qui vient. En dernier. Donc 7 Carabus. Ok. Et du coup là je vais voir si alors ça me prend de carapuce de faire ça.
pas du tout. Là, c'est une femelle. Non, elle m'a vraiment donné Kaminu, ça. Oui. Là, dans Or, le Pokémon ne tient pas de B1, je tiens à le dire. Cheat list. Non, je ne connais aucun cheat pour changer le Pokémon de base. Hein. Après, je connais un logiciel, mais il faudrait que je... De toute façon, c'est ce que je vais faire à l'avenir. C'est de télécharger une ROM, en fait, tout simplement, pour être indépendant de ROM Station, en fait. Et comme ça, je pourrais télécharger une ROM de Crystal. Et je pourrais avoir un logiciel pour, en fait, modifier mon jeu, modifier ma ROM. En fait, j'en ferai une copie au cas où. Et je modifierai, en fait, la ROM, tu sais quoi. Trop bizarre qu'il fasse soleil, mais c'est beau quand il fait soleil en fait. J'empêche, je tue quand même des Pokémon pour. Pas être non plus trop à la rue quand il y aura. J'ai pas pris la veine, on le prendra après. Ouais, trop à la rue quand il y aura. Le rival. Mais normalement, le rival, on l'éclate facile. Hein. Y'a aucun souci normalement, y'a aucun problème. C'est Flora, il me semble qu'elle est un peu dure à battre. Dans les jeux Ruby Saphir. C'est bien Flora son nom, je sais plus. Dans l'animé c'est Flora, mais dans le jeu, je sais plus. Oh, je suis empoisonné. C'est vrai que le jeu est plus tranquille. Hein. Bon alors, on va être honnête, hein. Il va être 19h, je pense qu'on va commencer... Non, moi. On va commencer Kaimu, je vais dire, mais non. C'est une femelle pas Camille d'ailleurs. C'est vraiment. C'était un sorteur femelle, ça pue la casse quand même. Voilà. Normalement, tu peux aussi spammer frénésie avec Camille. Le problème, c'est que de fait, mon rival est con et il spam rugissement. Et là, je me suis trompé de code et j'ai mis le code pour la Master Ball en fait, je suis débile. Je crois que ça sent plus ce que j'ai fait, attendez. En fait, notre technique que j'ai fait marche peut-être bien parce que je suis trop con. C'est totalement ça, je me suis totalement trompé de code, j'ai mis ça de la Master Ball, il me semble, attendez. Je check. Hein. Cheat list. Non, c'est bon, non, j'ai pas mis ça de la Master Ball. Donc juste donner un nom quoi, y a pas de nom pré-choisi quoi. Tu parles pas à lui, genre pas. Je sais pas ce qui se passe du coup. Je sais pas si le mec en bas il t'a dit hey, tu aurais parlé pour les heures. Yes, on avait 5 Master Ball évidemment. C'est comme un jeu original. D'ailleurs le code des Master Ball je l'enlevais à chaque fois en fait on peut le laisser hein, en vrai. Une fois la capture n'est pas un truc primordial de ce truc. Hein. Add Game Shark, alors tac, tac. Bah. Add Game Shark, j'ai dit. Okay. Attendez, avant d'activer le code Carapuce, je vais faire un truc, c'est que je vais aller à l'autre zone là-bas. Je rappelle que là-bas, les Pokémon sont plus forts et du coup, ça m'arrange. Si je commence avec un Pokémon niveau 2, c'est juste trop la galère en fait, c'est juste débile. Surtout que tous nos Pokémon commencent niveau 5, nos starters, donc pourquoi ils devraient commencer niveau 2? Même les Fouinettes et les Hoot ne commençaient pas niveau 2 quoi. Le premier Pokémon que je trouve ici, je le capture. Oh, c'est une femelle en plus! Oh, c'est classe par contre.
S'il est menacé, il rétracte ses pattes dans sa carapace. Et crache de l'eau. Oui. On va l'appeler. Ah, mais du coup, c'est une meuf. Ah, mais tant pis, ça change en fait. Tortonculé. Je crois que j'aurais de la place, putain. Je crois qu'on a de la place. Je crois que le jeu a prévu qu'on l'appelle notre tortonculé, plus comme ça. Alors, dites-moi qu'il y a des E accents et tout. Non! Tortoncule. C'est drôle aussi. Enfin. Le jeu m'en empêche pas de l'appeler Tortoncule, par exemple. Côté, on avait Samouraï pour la sauce Samouraï. Le sonnon, c'est crédible, hein. C'est bien quand même Dracobit, donc non en fait. A plus mon pâte! Et maintenant on va l'entraîner jusqu'à ce qu'il soit niveau 10. Je rappelle que pour moi, Alligator sera plus facile et Tortank en deuxième. Ah merde, c'est vrai. On va dire qu'on va le taper. Je sais que j'ai des Master Ball du coup. Ça nous arrange bien. Mais venir à ce c'est de la triche. En vrai, franchement, c'est pas partie du défi. Hein. J'en serais de la triche si le défi, ce serait genre de. Je sais pas moi, d'entrer un truc qui me paraît contre une équipe. D'ailleurs, j'ai pensé. Alors, je sais pas si ça peut être drôle ou pas. Mais ce serait de faire Pokémon Crystal, mais vraiment tout le jeu, c'est-à-dire jusqu'à Red. D'ailleurs, qu'est-ce que je veux dire? Mais avec des équipes de dresseurs. Genre j'aimerais bien faire avec l'équipe de Sandra par exemple. Ouais ça peut être rigolo non? Déjà que je commence le jeu avec 3000 Draco et un Hippotrempe. Donc c'est-à-dire que dès le début du jeu, déjà, je dois XP 4 Pokémon donc ça peut être très chiant. Et ensuite, on va faire tout le jeu avec ces Pokémon-là jusqu'à Red et voir si c'est possible quoi. Je dis pas que je le ferai avec beaucoup de dresseurs, mais déjà là, commencer avec un, ça me paraît pas mal. C'est drôle parce qu'on va affronter Sandra du coup. On aura deux fois la même équipe. C'est juste que oui, vous allez me dire, t'auras pas Hyporoi. C'est vrai que j'aurai pas Hyporoi. J'essaierai de. Bah, c'est ça à ce moment-là, j'essaierai d'avoir un truc pour justement débloquer l'évolution d'Hypocéen. En vrai, si jamais je devais changer les niveaux d'évolution. Soit je mettrais niveau 50 pour les trucs si le Macogneur mec te passe comme ça, soit je mettrais niveau 40. Pourquoi 50? Parce que c'est le double de 25. Voilà, tout simplement. Et pourquoi 40 sinon? Parce que c'est le niveau d'évolution de. C'est un niveau d'évolution des Pokémon assez hardcore en général. En vrai, je pourrais entre deux, je pourrais mettre 45, c'est vrai. Je pourrais mettre 45. Je suis parano, je suis transféré, c'est rien qui peut entraîner la perte de connexion. Tortoncule. Tortoncule qui est notre premier starter féminin. Hein. De beaucoup trop rire avec ça, beaucoup trop immature. Attends, j'ai écume, j'ai one shot avec écume. C'était un pari que je fais. Même le fichier texte, ça me rassure pas, je vais le. Hop, voilà. Là, faut que je sauvegarde. On a un starter féminin quand même. Eh oh! Eh oh! Au début, j'hésitais à faire le vénère. Le vénère, ça a aucun intérêt. Je me suis rappelé que le vénère avait voulu en l'euphorie. Que l'euphorie est un peu quand même à 2G. Donc, je me dois de le faire en fait, en l'euphorie. En plus, ça va être bien nul. D'ailleurs, je vous ai vu, j'ai fait la liste sur Discord des Pokémon qu'il y aura. Potentiellement. Le risque que je vous ai fait, ces Pokémon-là peuvent y être, sans problème. Remarquez que je n'ai pas mis Suicune, Entei et Raikou. Pourquoi? Parce que je trouve ça pas intéressant de faire ça avec. Ça, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Faut aussi faire avec Raichu d'ailleurs. On commence avec un Pichu évidemment. C'est ça qui serait drôle en fait. Je sais pas, je suis niveau combien.
On va y tuer un truc au pif et on va aller voir où. C'est vrai qu'ils ont entraîné, mais en fait, en haut, les Pokémon sont plus haut niveau, quoi. Ouais, ils peuvent m'empoisonner ici, c'est vrai. Ah, mais tranquille. Je suis niveau 9. Ça prend repli en plus. Faut lui parler à lui, sinon il vient de faire chier. Il te parle mal en plus. Ça veut dire que je change si tu viens pas le voir directement. Mais bon, il est sympa, il donne un truc. Non, j'ai fait repli comme un fils de pute. Comme un enculé, lol. Lol MDR, mon Pokémon s'appelle Tortonculé. Alors mes attaques, ça va être quoi en vrai? Point glace, c'est sûr. Surf, c'est sûr. Une autre attaque au que surf, je vois pas, ça va être quoi? Cascade, s'il apprend cascade en vrai. Pour le coup, il apprend pas cascade. Alligator, ça va être chiant ça. C'est vrai qu'on va quand même capturer le Psychoquack. En fait, il y aura trois attaques sûres, c'est surf, point glace et cascade s'il l'apprend. Et après, pour compléter, soit on mettra vent glace. Pourquoi pas. Soit on mettra un truc genre force. Ou séisme, parce que je pense qu'il apprend séisme, t'en fous. Mais alors séisme, il servira à quoi en vrai? Le problème, c'est que séisme, en fait, si on lui apprend, il l'apprend tard, séisme, en fait. Hein. En fait, séisme, limite, ça nous servira en fait au milieu d'aventure, quoi, pour les Pokémon électriques. Et le problème, c'est que... Bah... Fin d'aventure, je veux dire, il n'y a aucun Pokémon électrique. Parce que séisme, c'est vraiment juste avant la ligue, hein. T'as vraiment rien d'autre après, hein. Ça veut dire avant. On voit de là, le bâtard. Mais... Et Tango, ça m'avait pas, je vais dire, choqué non plus, parce que c'est quand même un très grand mot, mais... Ça m'avait grave étonné à quel point les dresseurs se posaient de loin, quoi. On vient de crever. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ouais, allez, j'ai 5 PV. C'est bon, tout va bien. Ouais, d'accord, ce spot de vachement long dans le jeu. Hein. Parce que dans jaune, parce que j'avais fait jaune, je me rappelle, c'était pas ça quoi. Et les gens, ils voyaient bien moins loin. C'est marrant d'avoir. Je trouve ça vraiment rigolo d'avoir un. Avoir un. Je vais dire un Capuma, n'importe quoi, un Carapuce. Je me demande si quand ils ont fait les jeux Crystal, ils ont pensé à donner la possibilité de voir les starters en jeu d'ailleurs. Je sais pas si c'était un sujet dans la conversation en mode quand ils ont préparé les jeux. Est-ce qu'on met les starters en jeu ou on les met juste les starters de jeu? Ouais, je sais pas. Parce que je me mets à leur place, pour moi je me serais quand même posé la question quoi. Je ne sais même pas si à la base ils avaient prévu de faire une suite. Et non, le fait de choisir ou non de faire une suite, c'est pas, ça dépend pas. Tu te dis pas, on fera pas une suite selon le succès en fait du truc. C'est artistique une suite. Hein. C'est un lien, c'est un sens. Genre, tu penses pas. Ce que je veux dire, c'est que tu penses pas à faire une suite. Comment dire ça? Tu penses pas à faire une suite. Juste parce que ton truc a marché quoi. Tu peux très bien légitimement penser à réfléchir à faire une suite avant le succès de ton œuvre quoi. Genre il y aura ça qui arrive, j'aimerais bien faire une suite là-dessus. Rappelle que Roku ne sert à rien à part à faire vol en fait. Rappelle que la règle c'est genre c'est que Tortank en fait. Simplement. Genre la Tortank meurt, mais les autres Pokémon les suicident en fait. Hein. Ah par contre la tour Chutifort c'est vraiment la merde. Hein. Je note hein, pour Kaiminus. Hein. Après Kaiminus aura Frenzy. Peut-être morsure d'ailleurs, non je pense pas aussitôt. Je rappelle que souvent nos Pokémon X, enfin level up, évolue.
à l'arène. Et que souvent ils évoluent, enfin ils évoluent complètement après l'arène de Dougonville. Rappelle qu'il faut pas que j'utilise mes potions et mes antidotes tout en quand je suis pas en combat parce que du coup ça me permet de faire de la place dans mon inventaire, ça m'évite de la libérer. Je rappelle aussi, hein, d'ailleurs, c'est vrai que je rappelle pas les règles. Je devrais mettre un slash, enfin un point d'exclamation règle. Je rappelle aussi que je n'ai pas le droit d'objets en combat, sauf des trucs pour soigner les problèmes de statut. Genre des total soins, anti-parents, antidote, tout ça. Et en vrai, je vais même vous dire un truc, sauf si je me fais paralyser, quoi. C'est juste la paralysie, quoi. Je trouve ça insupportable, quoi. Ah oui, j'ai oublié de mettre Togekiss, hein. Mais Togekiss sera bien sûr prévu. Hein. J'ai oublié en fait. Il y a des abos. Parce que dans or, il n'y en a pas des abos. Mais moi, c'est fou parce que j'ai pris la version or et après j'ai pris la version verfeuille pour les bah, les jeux Pokémon. Et dans les deux versions, abos n'existent pas. Et je jouais à Pokémon Jaune. Donc pareil, abos n'existent pas dans Pokémon Jaune. En fait, abos, moi, ça a été un mythe longtemps. Je vous jure, quand j'ai pu jouer avec abos, je sais plus dans quelle version, je crois que c'est dans noir et blanc. En post-game. Et encore, je suis pas sûr. Je crois qu'il était pas non plus. Hein. Qu'est-ce que j'étais content quand j'ai... Oh, trop bien, Abo! Bah, les gens ils vont dire, bah ouais, non, Pokémon normal quoi. Enfin, t'as rien fou quoi. Donc, ouais, pour moi c'était un délire quoi. Je veux dire, faut qu'on pense à capturer un psychoquack, mais c'est pas les psychoquacks, c'est plus tard. Ah, il y a les pêcheurs aussi à affronter. Est-ce qu'on les affronte ou pas les pêcheurs? Enfin, on s'en bat les couilles. Il y a une équipe de Magikarp complet quoi. C'est bon, je me respecte un peu. En vrai, on serait avec des Pokémon nuls à chier, style Coxyclac ou Corian parce qu'on fera un jeu de Corian. Corian pour le coup, je suis très curieux. Parce que moi, c'est la grosse merde, en même temps, il est type O. Et le type O est très fort dans Cristal. Un jour, vous allez voir, je vais me réveiller et je vais tomber sur une vidéo YouTube sans qu'il parlera de moi et tout. Genre, mais en mode. Genre, en mode, ce mec est cinglé. Si le titre de la vidéo, ça, c'est pas faux. Ça me ferait beaucoup rire, franchement. J'ai mon morsure, je suis bien maintenant.
Dans un 3 écumes pour le tuer, quelle arnaque. Oh, je vais trop vite. C'est vrai que là je le dis, mais il faut que je pousse en fait mon micro là en fait, hein, vous m'entendrez beaucoup mieux. Bla 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 bla, ouais c'est bon, là le micro est beaucoup mieux pour vous. Parce que là à l'autre bout c'est bon quoi. Regardez là. Les Pokémon sauvages sont niveau 5 et leurs Pokémon sont niveau 9. Voilà, ça je dis rien. Il y avait un Pokémon niveau 7, mais il y avait 3 Pokémon. Et je rappelle qu'on a battu qu'une arène à ce moment-là. Donc ton équipe est potentiellement aussi constituée de 2-3 Pokémon, hein, si c'est pas qu'un seul. Hein. Ça dépend des gens. Je rappelle qu'à la base, je voulais juste faire Noirfang et... Noirfang, Fouinard et puis Coxyclac, parce que après, pour les autres Pokémon, style Faramp et tout, fallait aller trop loin dans le jeu, en fait. Donc en fait, j'ai trouvé une solution. J'ai dit aussi starter à l'époque déjà, j'ai un souvenir de ça de moi disant ouais les starters aussi on les fera. Ah oh, putain c'est bien morsure. Morsure je dis en fait je dis pas qu'on gardera pas en fait. Trop con. Coxy Ultrason sur Fantominus, quel enfer. Pire c'est que Ultrason Fantominus c'est full vieux axe, en vrai j'aurais pu acheter du premier coup. Hein. Après ça c'est du axe qui n'était pas favorable parce qu'il y a plus de chances que la confusion ne touche pas qu'elle te touche. Donc il faut pas qu'il voit, faut qu'il te parle putain. C'est 14, ça fait un petit peu peur. Un petit peu. C'est pas fou non plus quoi. Non ça va. C'était. D'ailleurs j'ai regardé, alors j'ai fait un tour de combat qui d'ailleurs bon je pense que ça va être amélioré quand on va lancer un jeu mais. Donc celui de dresseur armé de Hippopotas et de Remoraid et de Manzai, ce n'est pas une blague. J'ai vu effectivement qu'un vendredi c'était effectivement le vendredi c'était revend toutes les CS déjà. Donc surf et tout, donc ça c'est cool. Et ils vendent plein de CT très très bien, par contre il n'y a pas toutes les CT. Ce jeu ça va être Minage Simulator je sens. Bon je rappelle, il me faut un Misterbe ou un Paras et un Psychokwak. Ce n'est pas un paras, c'est un mystère. Pareil. Master Ball. Ça lui faut pas. La merde.
Putain, me dites pas que c'est que la nuit les psychoquacks, par pitié. Non, je pense que c'est plus rare la journée parce qu'il y a plus de Pokémon en fait la journée ici. Ce qui est bizarre déjà. Coup de boule. Bah, coup de boule, par exemple, pourrait lui apprendre en vrai. Bon, la force c'est mieux, mais bon. Pas vu de psycho quoi quand ça me fait un peu chier. Je me suis cherché vu que de toute façon je pense que c'est juste qu'il n'y en a pas la journée quoi. Tour rapide. Non, c'est de la merde. J'ai plus un top d'une morsure. Alors là, j'ai des pistolets encore, mais bon. Fille qui veut pas t'affronter. Là, tu spots de là ou quoi? C'est fou en vrai. J'ai bien de la chance d'avoir un psychoquake. Ouais, faudrait que je check psychoquake, c'est quand. Je trouve qu'il y en avait, hein, mais bon, j'en ai juste pas vu. Parce que psychoquake, je rappelle, il apprend force, il apprend cascade, il apprend siphon et il apprend surf du coup. J'avoue que pour surf. Enfin, c'est vrai que c'est encore un petit peu. J'avoue que pour surf, on réagit ce qu'il faut déjà. Point de glace, oui, merci. Qui va bien nous servir pour les Pokémon plantes, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Point glace. Tortankule. Bah, mais que c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot que c'est de la merde. Autant plus qu'il nous servira à Psychocoque avec Alligator, parce que Alligator n'apprend pas Cascade. Hein. Autant je pense que Tortank l'apprend. Parce qu'en vrai, des Pokémon eau qui n'apprennent pas Cascade, c'est assez rare. Hein. Pas se mentir. Et oui, je sais que maintenant il l'apprend dans la génération actuelle. Cascade Alligator, je suis au courant. Ne vous inquiétez pas. Pour ça que les gens qui regardent que mes vidéos CVOD là, ils pensent que je vous pose génération actuelle. C'est l'image que je donne, je pense, en vrai. À moi, Dexter, je me vois comme ça, là. En fait, je me regarde un peu. Oui, j'ai fait l'arène avant de faire les souterrains et la route en haut. C'est assez original, je sais. Mais bon, t'as de briser un peu la routine, lol. C'est ça qui est, c'est que si le jeu te laisse faire les trucs dans l'ordre que tu veux, quoi. En vrai, tu peux soit aller au Simulard, soit aller faire l'arène, soit aller dans les souterrains pour taper les machins à Doublonville. Enfin, en général, faire un tour à Doublonville, quoi. Parce que là, le magasin, quand tu découvres, tu t'y perds. Tout ce qu'ils vendent, t'en vas, oh, trop bien. Surf un peu sur la vite, hein. Ça c'est bien. Du coup, en même temps, je regarde ce qui est obligatoire ou non en fait. De toute façon, j'essaie de la geler cette connasse. Allez, chien. En même temps, faisait pas très peur, hein, je vous avoue. Hein. Blanche ne fait peur qu'à vous, hein. Je vous rappelle. Le jour où on le fera avec un Pokémon Spectre, je pense qu'on pourrait avoir peur, mais alors pour l'instant. Putain, c'est. Mortimer, il a un Pokémon qui ne peut pas tuer les Pokémon normales. Et je me rappelle que pendant que j'ai fait Mortimer, j'avais un Evoli, il me restait plus que lui, je l'ai envoyé. Et ce Pokémon-là n'arrivait pas à me toucher, il restait que lui. Moi aussi, je peux pas le toucher. D'ailleurs,
D'ailleurs, hâte de faire le jeu avec Mantali et Noctali. Hein. Parce que du coup, on va commencer avec un Evoli. Du coup, l'objectif, c'est de faire évoluer Evoli avant un certain niveau. Et du coup, on va faire plein d'allers-retours comme des Mongols. Juste pour qu'il ait feinte avec, avec Noctali, puis choc mental avec Mantali, quoi. Avant le niveau 16. Tortankule, Roucoule, Paras. Cette équipe incroyable qui ne sert à rien vu qu'il n'y a que Tortankule qui combat. Donc je vais faire maintenant les mecs du souterrain, sinon je vais zapper. Ça m'est déjà arrivé un jour de faire le jeu, les avoir quand même zappé, du coup en fait en revenant à la fin qu'à Team Rocket ils m'ont attaqué, je me suis dit qu'est-ce qui se passe. Ça m'est jamais arrivé je crois pendant un. Pokémon a la route 33, c'est marrant qu'il dit ça. J'aurais plus ce qu'il y a en 33. Diana. Ah, il y a des métamorphes et des Yana, c'est vrai. Puisque je dis, il n'y a que Yana en fait qui est rare. Non, il y a des métamorphes aussi. Je suis empoisonné. C'est vrai que c'est langue en vrai. Hein. On ne fera pas le fait que c'est langue. Verfeuille, j'aimerais bien. Il y a des Pokémon, il y a des trucs que j'aimerais bien les faire dans Verfeuille en fait. C'est. Ah oui, par contre, c'est pas très efficace. C'est vrai qu'à l'époque, ceux qui savent pas, le type acier résistait au type. Type ténèbres. C'était changé ce qu'ils se sont dit, en fait, le type acier résiste littéralement quasiment tout en fait. Hein. Genre, il résiste pas au type psy, il résiste pas bah, au type combat normal parce qu'il craint et au type pareil. Il résiste pas au type sol parce que pareil. Et après, je sais pas. Il résiste pas au type insecte, je crois. J'ai un doute là-dessus. Il y a un truc débile comme ça. Il y a un type, tu dis, mais forcément, il résiste. Non, non, il résiste pas. C'est débile. Je vous avoue que par contre, ouais, avec ce Pokémon-là, pensant, les magnétismes font peur. Pour l'instant, Morsure, je le garde, ça me va très bien. Morsure, franchement, on pourrait le garder jusqu'à la fin du jeu, en fait, hein, ça me va très très bien. Juste complètement zappé que ce Pokémon après les Morsures. Petit fait, ça va tranquille. Parce que Morsure, le truc, c'est que ça pourrait me servir contre les Pokémon Psy et Spectre, en fait. Et il y en a tout le long du jeu. Merde, je voulais faire autre chose. Je crois que ça va être Bimbo. Je suis en sécurité avec tes Pokémon. Minitos qui fait toujours ses lacets. Non, on ne fera pas jouer avec Minitos. Je sais où l'apprendre. C'est Kaz là, parce que j'étais Kaz avant, on était allé à la poste, qui devait chercher un colis. Donc on peut venir et tout. Kaz qui m'a dit que. Il m'avait dit quoi? Ah, je sais plus, il m'a dit un truc par rapport à certains Pokémon. Celle si je vais l'affronter ce qu'elle est en face. C'est par rapport à ça que je me demandais. Enfin, vous m'avez demandé, vous m'avez dit un truc, je sais plus. J'ai oublié ce que je voulais vous dire, je suis trop con. On trouvait pas que les télékinésistes ressemblent aux écoliers. Surtout les écoliers vont devenir télékinésistes. Maintenant, j'allais dans les souterrains pour effondrer les réserves, j'ai déjà fait. Faut parler à elle, du coup. L'eau, ça mouille. Voilà. Ah, je t'ai pas battu, toi? Oh, tiens. Non. Tors ton cul. Non. Tors ton cul.
faudrait qu'un Evoken après jette Sable. Snubbull. Snubbull est prévu par contre. Hein. Ça c'est un fait. Ouais, les dégâts qui m'a fait le bâtard. Pistolet, ça fait vraiment de la merde. Hein. Vivement. Vivement. Vivement surf, hein, qui est au-dessus en plus, donc ça c'est cool. Ah putain, je suis con, j'ai morsure. Putain de kinésiste à la con, quoi. Tout ça pour pas irriter les kinésistes, quoi. Quand je mute, c'est toujours pas planté. Mais je rappelle qu'hier, ça plantait à 50 000. Souvent, ça plante par ici en plus. Hein. Ça plante souvent au même endroit. Hein. Du coup, je me demande vraiment, c'est pas un truc en fait par rapport au jeu quoi, qui serait un peu maudit. Pas ça, mais. Genre, j'ai pas besoin de pirouiller avec pistolet, s'il vous plaît. Genre, s'il y a pas un truc en mode. Il y a des moments où la ROM charge plus que d'habitude, du coup, ça plante à la connexion quoi. Je suis plus dégâts avec morsure, par pitié quoi. Pour l'anglais, je pense que c'est un attaque qui fait plus mal. Imagine une mécanique, genre on a plus de chances de geler si le tour d'avant on a fait une attaque haut. Ça pourrait être cool, non? Et ça serait logique. Il y a un épisode dans. Je sais plus si c'est 2G ou 3G, où ils se trimballent avec une autre meuf qui reste pas longtemps. En plus, c'est un peu comme le gars avec son appareil photo là dans la première saison. Et sauf que la meuf a un Evoli, et après elle retrouve ses sœurs qui sont bah, du coup des sœurs kimono. Du coup, je me demande c'est pas la deuxième génération. Et voilà, il y a ça en fait. Et je trouvais que j'ai un doute sur le fait que ce soit pas dans la troisième génération, justement, dans la série Pokémon. Parce que il me semble qu'il y avait Flora et l'autre gamin de merde. Enfin, surtout, il me semble qu'il n'y ait pas Pierre en fait. Ah, mais non, parce que Pierre aussi était dans la troisième génération, du coup, c'est faux ce que je dis. Mais où mec c'est ses casques quand il cherche quoi. Ça me fait trop rire ça. Si j'avais déjà raconté l'anecdote de casque qui cherche du coup je la raconterai pas. Ça me fait trop marrer en fait, c'est tellement con. Ah putain. C'est fou hein de faire ce jeu mille fois et toujours prendre autant de plaisir à y jouer quoi. Putain j'ai pas pris surf, quel connard alors que j'ai surf. C'est pas très grave. Oh putain point glace quoi. Alors 2 secondes, Suicune, s'il te plaît. Est-ce que je pensais parler au mec au moins? Ce serait la première fois que je parle pas. Putain, ok d'accord, là je vais faire ma gueule. C'est dit juste la première fois que j'ai oublié de lui parler. Ok, il fait tac 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 comme un truc de fils de pute quand j'appuie sur A là. Alors je m'énerve maintenant, mais ça fait depuis le début du Let's Play. Hein. La musique est très saillante, il est un peu. Salut le connard. Après, on a Léviathan rouge, hein. Faut le capturer. Hein. Ouais, mais il me faut force maintenant, quoi. Pose une question, on peut sweeper, sweeping et tout. Après, je le ferai là parce que le truc, c'est que ça me permet d'affronter notre rival en fait. Et notre rival. Ce qui me donne quoi finalement, le mec? Rien.
Ah, je suis glissé. Je connais le chemin, ne vous inquiétez pas, c'est là, voilà. En fait, faut suivre leur regard, faut toujours être devant leur regard. Jamais s'écarter. J'essaie de réfléchir, en fait, faut juste faire morsure, quoi. Par contre, là, je dois vous avouer un truc, c'est que j'ai du retard sur les niveaux. Et là, je me rends compte. Habitude, j'hésite et tout, mais là, je peux vous dire, j'ai du retard sur les niveaux. Alors, en enfant, on a fait exprès de monter un peu plus en niveau, mais alors là, niveau 34 ici, c'est pas vraiment ouf. Hein. Je devrais être niveau. Je devrais avoir évolué. Je vais me soigner. Du coup, ça peut mal se passer pour Octopath, vu que je suis pas un Tortank. Parce que Tortank, en vrai, faut laisser tomber, le mec, il a aucune chance, quoi. Mais alors là. Parce que je one-shot absolument tout, en fait. Hein. C'est insupportable ce coup. C'est bon, je suis c'est sûr. Je prends cette câble. Ah, quel plaisir de faire ce bruit. Ouais, voilà. Ça va aller assez vite. Pour une fois. Il me dit, ah, tac, t'es arrivé au deuxième tour. Pour une fois que je me réveille pas au cinquième. Hein. Dans un mono Pokémon. Putain, j'ai appris un truc hier. Vous savez, les Pokémon, quand ils t'aiment beaucoup en amitié et tout, ils font des coups critiques en disant qu'ils font un critique pour te faire plaisir. Bah, apparemment. Je dis bien apparemment. En fait, les coups critiques sont au même niveau, c'est juste que le dialogue change quand ils font un coup critique, quoi. C'est juste ça. On se fait un vol comme un connard. Du coup, il y a quoi qui peut avoir force là? Putain, ça me saoule, quoi. Ça me saoule! Bah, du coup, Ratatak, hein, faut trouver un Ratatak. Yes, la paralysie. C'est bon parce qu'on achète des total soins à la fin, mais en fait, c'est des anti-paras qu'on devrait acheter. Pas des total soins. T'as bien de la chance dans ce Pokémon. Ah merde. J'ai un pote, son Pokémon préféré, c'est pas grave. Allez, Tortank qui évolue vachement tard en vrai, mais bon. Puis solo, c'est la one shot. Oh, trop con, putain. Oh! J'ai vu, lui. Les dos du haut. On est d'accord, le dojo, c'est une espèce de kiwi, hein. Enfin, kiwi. Kiwi, l'animal. Pas le fruit, hein. Trop mignon Dodio. En vrai, Dodio fait partie de ces Pokémon les plus mignons du jeu, quoi. Et là, le problème. Parce que c'en est un. Je n'ai aucune option pour les Pokémon haut. Bah, morsure en vrai, si. Mais j'ai. What? Dis quoi quand tu parles du coup? Là, c'est que la nuit. Bizarre. Pokémon est malade. Du coup, le mec n'a pas le badge. Hein. Gros loser. Au moins qu'ils sont revenus. Pareil, je rappelle son droit là, c'est rapide. Sous une attaque glace ou électrique. Quoi. Surtout électrique. J'aime beaucoup cette musique. En délire. Le jeu avec lenteur n'est pharampe, ça va être l'hécatombe.
Alors Mewtwo aussi, hein. Si Mewtwo apprend les points élémentaires, je vous le dis, je lui fais apprendre tous les points élémentaires. Hein. Alors Mewtwo, son build, c'est simple, hein. Ça va être une attaque psy, genre psycho, point glace, point feu, point éclair. Hein. Voilà, terminé. Ta mention fait si peu de dégâts, quoi. Ça me rendrait presque triste. J'espère que difficulté en vrai, c'est terrible. Alors on n'oublie pas, hein, c'est toi. Comment le mec a dit une bacon a l'air de mauviette? T'as vu Tortank ou pas? Rappelez-vous qu'à ce moment-là du jeu, l'enfant qui était plus qu'au niveau 40. Hein. Je sais plus temps parce que je ça. Là, par exemple, je devrais pas lésiner les dresseurs. Ça, je vais en dire. Après, la route Victor, on pourra bien expé nos mères. Hein. En revenant, j'essaie de tuer un maximum de dresseurs. Bien XP. Ah, je suis empoisonné. Non mais charge, mec, respecte-toi. Non, je trouve que je voulais faire ça. Putain, sort, c'est tout chaud. Tortank fait trop peu de dégâts, je trouve, c'est terrible. En même temps, encore une fois, faut relativiser enfin, le j'ai un niveau de retard. Après, j'ai pas énormément de niveau de retard, j'ai 5 niveaux de retard. Quoi. Ou même pas, en vrai, 3-4. Hein, sur la moyenne, hein. Je sais juste qu'à Sandra, normalement, quand Sandra sera battue, mon Pokémon devrait être niveau 55. Ça lui peut être chiant parce qu'il a hypnose en fait. Et ouais, en fait, il craint rien. Bon, après, enfin, je crois que Tartar va nous casser les couilles. C'est totalement ça. J'ai pas le droit de jouer du coup là. Tartar va nous faire chier. Je l'ai dit. Putain, je vais pas descendre. Et du coup, Caligature, c'est pareil. Oh le axe, oh le axe. Oh, c'est bon. Je suis tellement fax comme une merde, en fait, juste pas mes surf comme un connard, c'était bon. Je note pour Ligature. Parce que Ligature à ce moment-là aura quasiment le moufou là. Peut-être qu'il aura pas morsure, je sais plus s'il a pas morsure. C'est peu qu'il aura étrange par contre à ce moment-là. Parce que la fois, je me sens que j'ai pas pris le médoc. J'allais faire vol. C'est bien que vol soit ici en vrai. La musique est comment? 2 secondes, je teste, hein, vite fait, parce que c'est bien de faire des tests son. Ça a l'air d'être bon parce qu'en fait, j'entends. Vas-y, parle au son, dis de la merde. La musique est parfaite, j'ai envie de vous dire. Bon, on va se payer un petit luxe. C'est que je vais la mettre à 12. Non, je vais la mettre à... Je mets à 18 maintenant. 12, voilà.
le monde de deux stacks. C'est rien de stack, mais c'est quand même bien. Comme ça, on peut directement enchaîner avec l'arène. Moi, Mewtwo, pour moi, le truc que je me demande, c'est que je sais qu'on va rouler sur le jeu. Mewtwo, j'ai vraiment hâte de le faire, parce que je sais qu'on va rouler sur le jeu. C'est le seul Pokémon, pour de vrai, où je suis sûr à 100%, mais 100% que le jeu, on va lui filer une misère. J'aime beaucoup le fond vert, alors qu'il n'y a rien derrière moi. Qu'il n'y a pas de fond, en fait, ça me fait marrer. C'est un peu esthétique, je trouve qu'il y a un style. Ça reste mieux que je descende, mais bon, la flemme de remonter après. Que de faire? Il veut apprendre que de faire d'ailleurs, donc. Mais enfin, je suis toujours aussi choqué de voir que la vidéo fait 4h30. Je suis curieux de savoir pourquoi, en fait. Le problème, c'est que j'ai envie de regarder 4h30 de vidéo, quoi. Mais enfin, bon, c'est pas le pire du tout. Il est pire que Noirfang. Là-haut, c'est tellement de la merde. En fait, c'est fort que contre ce que c'est fort, quoi. Genre, tu fais ça sur un Pokémon ou c'est neutre, il va jamais se retuer, quoi. Genre en un coup. Alors que c'est le but, hein, quand t'as accès à un Pokémon, tu veux tuer genre en un coup, quoi. Et attaquer le plus vite. Dans ce puits, j'avais mes trucs. C'est mieux que pistolet, ouais. On va capturer l'éviateur, on va le transformer en slave. C'est ici. T'as fait voir là, quoi. Voilà. Ouais, pour l'instant j'ai que ça à lui donner. Qui nous sert plus à rien là? Paras ne sert plus à rien, ça c'est sûr. Rokul nous sert, bah du coup ça ne sert plus à rien, c'est qu'un élévateur ça. Ça fait juste chier d'avoir un Pokémon aussi haut niveau dans la team, parce que du coup si, le problème c'est que si Tortank meurt, bah... Faut après faire en sorte que l'autre meure aussi, et puis... Ici les PP illimité. Hein. Pas sûr que contre moi, Sandra, je pense qu'on va être niveau 52-53. Du coup, pour la ligue, on va être entre 60 et 65. Plus 62-63 en vrai. Et en vrai, c'est chiant. Pour de vrai. Hein.
Non, parce qu'il faut vraiment y parler pour qu'ils t'affrontent, quoi. Ça sert dans les jeux de Pokémon, hein. D'ailleurs, Métamorph, il me semble, dans cette version-là, quand il se transforme en toi, il garde sa couleur violette. Et là, je vais te prendre le corps à tata, imaginez. Ah putain, c'est ça en plus! J'ai eu un doute! J'attends, cure attaque, j'ai pris. Fais tout. J'adore cette musique. Je vois, faut que j'oublie quelque chose. Hein. Je peux faire un let's play sans oublier un truc. Hein. Autant faire un aller-retour comme une merde. Après, c'est même pas une minute de perdu, hein, on dirait. On est pas en speedrun, on fait pas un speedrun, ce que j'aime bien, elle est vite en fait. Ouais, c'est son équipe, hein. Arbok, Ortid et Cornap, c'est plutôt cool, hein. Ouais, même Ortid en vrai. Hein. Pourquoi si je vais le voir? Je vais quitter ce côté. C'est cool, hein, un maître de la ligue qui fait le taf, quoi. Parce que là, il dit qu'il va quelque part, en fait. Donc tu comprends en fait qu'en vrai il revient pas pour la tour. Et puis la tour t'en occupe tellement vite en vrai. Surtout moi mais... Ouais, dans l'ordre tu la clean vite à ton pas. Alors en vrai je le sens super bien ça. Il y a les lamentites qui vont me faire chier mais c'est tout quoi. Ouais, voilà. Je trouve qu'Alain est dans son endroit, ça me permet d'affronter quelque chose ça. Ah, il survécu. Ah, il a fait tenacité sur ça. Putain, mec, arrête, c'est chiant, quoi. Bon, la meuf là. Attendez, je peux aller affronter le maître maintenant, mais du coup, j'ai pas envie, en fait. J'ai envie d'aller bolosser la meuf, en fait. Ah, putain, en fait, c'était bien ça comme ça, tout à l'heure. Pour un Lipoutou, mais bon, Lipoutou et puis 2000 XP, quoi, c'est bien. Quoi. Ouais, je me mets à la place des développeurs, genre, on crée des vieux jeux comme ça, c'est Pokémon Crystal. Et genre, qui maintenant, genre, imaginez, ils rejouent, on voit quelqu'un y rejouer. Je sais pas ce qu'ils se disent en fait. Genre, ah, c'est bien de la merde. Genre, ah, je me rappelle ce qu'il fait là, on avait codé ça à tel moment et tout. Il y a un monde du coup, hein, ceux qui se demandent tant, on est mercredi, mais il n'y a pas les 3 ans de live, dans les 3 ans de live, samedi. Vendredi du coup, pardon. Parce que samedi, il y a un truc de prévu. Un rendez-vous important. J'ai soigné mon truc, hein. Ouais, tort enculé en forme.
En forme pour Tortankulé. Ah putain. Mais sinon, je peux faire ça. Hein. C'est insupportable. Regardez de près. Là, sinon je vais être un cours de ou à l'échelle. Les pangas, j'en garde aussi un peu pour les dinosaures. Ouais, les dinosaures petites, ça voilà. Mais vraiment, la collection des Pokémon de merde, c'est mon logo, je crois. Surf, franchement, c'est vraiment que pour les trucs vraiment insane, les magnétiques. Quoi. Pour le reste que Porygon est assez insane pour que je fasse surf et pas Pangas, je ne sais pas. On va dire que... Non. Et là je sais jamais c'est à quel moment qu'il faut... Quel mieux pour assumer ces Pokémon en fait. Hein. En vrai. Est-ce que c'est après le rival? Du coup les trucs dans le souterrain ou c'est... Ou c'est après ça? Parce que le problème c'est pas la ville, le problème c'est les. C'est les. C'est les. C'est les pépés en fait. Hein. Pour de vrai. Hein. Moi je pense que c'est après ça qu'il faudrait y aller. Hein. Parce que je me bats coup de morsure quoi. Ce qui est pas terrible du tout en fait. Hein. C'est bien, c'est un endroit, c'est XP lente quoi putain. Je sais qu'il y a des sens où c'est plus sombre en fait. Je suis sur Earthgold, c'est comme ça aussi, il faut descendre, remonter, enfin, genre, montant de la tour, redescendre, aller dans les souterrains. Parce que je sais que je vais aller dans les souterrains. Ça c'est sûr. Donc tu dois déguiser en Team Rocket pour qu'il fasse passer. C'est un truc que j'ai bien aimé d'ailleurs. Ouais, le vrai, le centre de Pokémon c'est pas très loin quoi. Ouais, j'aurais eu beaucoup de pépés, genre j'aurais eu surf et genre cascade là déjà, je serais pas allé me soigner par exemple. Parce que j'aurais niqué genre toutes mes morsures et toutes mes cascades, enfin un maximum mes morsures et un maximum mes cascades. Pour que qu'il me reste quand même un peu de morsures pour En vrai, qu'il me reste genre surf et puis plan glace quoi. Surpris que Morsure fasse encore autant bien le taf quoi. Est-ce qu'il le fera encore contre la reine psy? Et la reine genre et pas la reine psy. Le mec psy ou et l'ectoplasma de la meuf ténèbre. Je ne sais pas. Je ne pense pas pour de vrai. Pour être très très honnête avec vous, je ne pense pas du tout. Je te regarde mes soeurs. Pas que je le lance au pif. Quelle idée d'avoir mis dans ce cul en fait. Putain. De toute façon, je comptais pas garder Pistolo. Hein. Je préfère avoir Siphon que Pistolo. Okay. Limite, je préfère avoir Tortank. Enfin, Tortank. Hydrocanon, pardon, que Pistolo. Tortank. Genre là il me sort, faudrait que j'arrive pas. Bon. Ouais mais c'est que Siphon ça peut louper. Hein. Ah Hydrocanon aussi vous me direz. Hein. Mais bon. Moi j'ai mis sur le fait qu'il peut prendre cascade, je vois pas pourquoi il pourrait pas prendre cascade. Beaucoup je sais vraiment pas. Je le dis maintenant là en mode je sais pas du tout.
se fait mal pour Pongrace. Je pense pas, en fait, Pongrace fait vraiment très mal aussi. En fait, souvent, pas dire tout le temps, à chaque fois que j'ai une attaque qui est meilleure que mon ancienne meilleure attaque, je me dis toujours, ok, l'autre c'est de la merde, celle-ci elle est forte. Donc c'est fou, en fait, l'autre reste très bien. D'autant plus quand l'autre c'est point glace ou point feu par exemple. Je prends là l'exemple pour. Moi, tu faisons, je m'étais vraiment mis en tête. Dès que j'ai eu lance-flamme, hop, point feu c'est de la merde. Alors que non, point feu est très très bien aussi. Hein. D'ailleurs, on aurait que. Je voulais voir si c'était à côté ou pas pour l'instant. Bon, c'est quoi. D'ailleurs, on aurait que point feu, en vrai, ça aurait été très très bien. Pas que point feu. On attaque feu, je dis bien, hein, pas lance-flamme. Ça aurait été un peu plus handicapant parce que du coup, il nous aurait manqué des PP, évidemment, mais bon. Et du coup, en vrai, je sais pas vous dire, c'était plus galère avec Draco Feu ou avec Typhlosion. Moi, c'est vraiment égal. Hein. C'était. Je dirais il y avait un léger avantage sur Typhlosion. En vrai, je saurais pas vous dire, mais je vais dire Typhlosion a un léger avantage parce que la ligue, j'ai moins galéré. C'est vrai qu'ils sont que 4 les Allemands, c'est déjà pas mal hein. J'ai dit pourquoi pas un Smogogo par exemple. Et déjà un Malos de merde. Après des Molos en vrai quand t'arrives là et que t'es un peu nul, des Molos ça fait peur. Parce que c'est type ténèbre feu. Genre si tu as quelqu'un comme si passé mort tu te fais niquer. C'est un peu comme Spectre ou Psy justement tu te fais aussi niquer. Parce que tu sais pas avec quoi attaquer cette merde. Tes Pokémon plantes, insectes, ça va niquer. Rien sûr quand tu connais le Pokémon. C'est un peu comme le Trioxyde de Gettys. Hein. Il y en a, ils disent Karchark de Cynthia, Karchark de Cynthia. Je veux dire, le Karchark de Cynthia m'a jamais posé de problème dans jamais aucune de mes aventures. Et me dire, à la Ligue Pokémon, Oswald, t'as quand même un peu galéré. Ouais, mais j'ai galéré parce que la Ligue en général était galère. Je peux vous dire un truc, j'ai autant galéré sur le Karchark de Cynthia que le Charmillon de Jean-Michel. Hein. Et pour le coup, c'est vraiment vrai. C'est même pas un truc pour troll ni rien, c'est la vérité quoi. Même, je me semble que j'ai plus galéré sur le Charmillon de Jean-Michel que Karchagrok. Karchagrok m'a fait une petite frayeur quand j'ai vu qu'il avait dépassé mon Pokémon alors qu'il était pas censé. C'est tout quoi. D'ailleurs, j'ai regardé les sets qu'ils avaient, objets et tout, la ligue. Ouais, en fait, c'est vraiment un truc de putain. Il avait bien une antiscope du coup, le Tarascore. Score. Ouais, moi, je passe par là, j'oublie pas. Ah, dis-moi que t'as un Pokémon. Oh, dommage. J'aime bien cette zone, moi, j'aimerais quand je dégage. Pour moi, que je suis arrivé là, c'est genre c'est trop bien, quoi. J'ai l'impression d'avoir trop avancé dans le jeu, quoi. Puis j'ai capturé. Excellent gars avec une Master Ball. Ouais, c'est là, voilà. C'est ici. C'est ici que le drame s'est produit. Yes! J'ai tué un taille. Mon rage. Sans rappel, je fais une nouvelle partie. Hein. Sans rappel, je suis sur ROM, donc je veux de cheat hein, pour autant de Pokémon que je veux. Autant de Shiny que je veux. Hein. Parce que avant de voir quelqu'un qui flex et tout sur un live ou une vidéo en mode oh, ouais tous les shiny tout ça genre renseignez-vous sur si le mec déjà n'utilise pas Pokéx, hein, voilà. Parce que oui, il y a des techniques pour savoir si un Pokémon est legit ou non. Mais ces techniques ont quand même leurs limites hein. Genre si quelqu'un fait bien son taf, tu peux. Ça va être très très dur de le savoir si Pokémon sont legit ou non en fait. Hein. Pour de vrai hein. Les questions, j'ai un peu hâte de le faire. Parce que sinon, je suis très curieux de voir si ça va être facile ou pas en fait.
voilà, je rappelle que pour moi, il y a une technique pour ne pas avoir du tout repoussé des rochers. On va tester maintenant. Si oui, en vrai, la grotte de glace, c'est une anecdote. Ouais, non, t'es quand même obligé d'en pousser un. Ok, je note. Ou deux, voilà. On fait un peu des expériences. Hein. C'est un peu la science, là, aujourd'hui. Je trouve ça un peu nimble, j'en ai besoin d'en pousser aucun, et c'est ok. Je dis non, ça va, tranquille. On dirait des croquettes, quoi. On dirait des boulettes, des boulettes de soja que je bouffe, quoi. Ouais, non, je vais en pousser au moins deux, ok. Ouais, je me dis, ça dépend aussi du côté où tu tombes. Hein. On a combien de followers là? Ah, ça fait très longtemps que je vais avoir un nouveau follower aussi. Hein. Il me semble. Ah, on est dans Père Saint-Tiens. Attendez, là, on va tomber par-dessus. Voilà. Tac. On va quand même en pousser deux, mais c'est déjà cool en vrai. Quel con! 53. Hein. On va dire que j'ai pas d'avance là. En vrai, là, la reine à Paris pour roi, easy peasy. Hein. En fait, faudrait pas qu'il m'envoie pour roi en premier, parce que le problème c'est que. Enfin, en deuxième, je veux dire, parce que pour roi, le problème c'est qu'en fait, il va me faire brouillard comme un connard. Parce que moi, c'est sûr, je le one shot pas en fait. Ah non, on va pas niquer nos points glace sur leur putain de mini-draco de merde, vu qu'en fait ils ont ces hippotrampes et on va leur faire. Morsure, genre elle là. Voilà, Océan. Sur. Fait brouillard le con. Oh le con! C'est le con du train! Eh oui, le con du train. Point glace. Hein. Oh, j'ai vu que point glace fait 18 pp. Non, j'ai fumé. Fumé, monsieur. Non, ouais, non. C'est quand tu donnes un pp plus qu'il y a 10 pp. L'éviateur roux cool. Regardez, je me disais ça va être chiant si nous tue parce que du coup. Ah, cool. Je crois qu'il a une merde genre genre Fatal Food. Allez, dégage. C'est Draco souffle. Tu pouvais me paralyser hein. Rappelle. Meuf elle est vraiment mauvaise joueuse quoi. Je sais plus comment elle est dans l'anime. Je me rappelle de son combat. Qui est d'ailleurs encore une fois pas légitime. Mais je crois que beaucoup de combats beaucoup de combats d'arène en 2G de Sacha sont pas du tout légitimes. Hein. C'est vraiment genre. En mode le combat n'est. En mode Sacha se fait déglinguer, la Team Rocket intervient. Sacha, genre, défonce la Team Rocket. Calme un Dracolos en colère. Que la Team Rocket a mis en colère. Et Sandra dit, tu mérites ce badge, tiens. Non, tu veux le déglinguer. En train de lui mettre la misère. Il me semble que c'est ça. Hein. J'ai probablement de la merde, mais...
Alors, un coup de crâne pourrait servir contre Dracolos, mais je crois que ça fait genre 80 de dégâts, c'est de la grosse merde. Ça ferait genre 150 dégâts, bien sûr que j'aurais pris. Hein. Mais ça fait pas 150 dégâts, c'est sûr. Mais c'est pas ultra laser. Non, giga impact. Giga impact, ma motion, c'était nul. Ça servait 0 fois, hein, comme quoi on a vraiment dû faire la ligue sérieusement, quoi. Moi, la ligue, c'est une grosse blague en vrai. Mais en vrai, la ligue, j'ai vraiment doute ce qu'on m'a dit, il y a une surprise à la ligue. Et pour le coup, je suis honnête avec vous quand je vais vous dire ça, mais je ne suis vraiment pas renseigné sur la ligue. J'ai même pas hésité, je suis putain, surtout pas que je fasse spoiler la ligue. Et là, j'ai oublié de prendre cascade comme un connard. Un jour, je vais l'oublier cascade, hein, c'est sûr. Mon CS live. Tortancule, stat. Ouais. C'est ça que je voulais voir. Je voulais voir les dégâts de siphon. Ah, je peux pas. Oh, c'est de la merde. Je peux voir ces dégâts à siphon. Rien à voir avec mon haleine, MDR, cette blague sur Ostrol. Et encore une fois, dans Earth Gold Soul Saver, il me semble que les typhons, tu les fais carrément disparaître. Ils sont énormes d'ailleurs, c'est vraiment des trucs qui prennent 4 cases. Bon. Par contre, avant d'aller au labo, je fais ça. Et ensuite, on va aller en vendre des merdes parce que j'avais plus de place en fait. Rappel max, ça sert tellement à rien. Moins que 2000 le truc, ça se vend même pas cette merde quoi. C'est vrai qu'ils en vendent pas du rappel max, personne n'en vend. Vous pensez que je peux me barrer sans parler au mec? Attendez, je vais laisser. Je vais être ni cascadien ni juste master ball, je m'en fous de la master ball en fait. Qui t'explique que les Pokémon avant d'évoluer apprennent des attaques plus vite quoi. Genre il t'explique ça à la fin du jeu quoi, quand ton équipe normalement est censée être finie là. Normalement si ton équipe n'est pas faite, il doit être un trou quoi, dans ton équipe. Donc ça m'est déjà arrivé et oui ça me fait un peu chier quand arrive à la ligue genre t'as 4 Pokémon. Là, ça m'est arrivé dans Platine. Ça m'était presque arrivé dans Soleil et Lune, mais en fait j'ai vite mis deux bouts de scotch dans ma team pour que ça aille mieux. En fait j'ai mis Lunala dans ma team parce qu'il y avait 4 Pokémon arrivés à la ligue et j'ai mis un Sablero justement, un Sablero de Lula qu'on trouvait plus tôt. Putain j'ai mis de Pokémon. Je sens cette musique aussi. Coolfish. Coolfish pareil, on fera un hein, Coolfish. Coolfish très curieux de le faire. Hein. Moi ce qui me fait peur Coolfish c'est qu'il apprenne que l'attaque de merde en fait. Et pour le coup il apprendra pas Pangolas. Hein. Bon il apprendra Vanglas très probablement. Bah, il me semble que Sablero n'était pas dans or. Hein. J'ai un doute là-dessus. En tout cas sûr il était pas dans Verfeuille. Ce qui m'emmerdait bien.
Ah si si, mais c'était dans Verfeuille, j'ai rien dit, c'était dans Verfeuille. C'était Raphisac qui était dans Verfeuille, c'est ça qui m'emmerdait bien, ma soeur voulait même pas m'en échanger un, quoi, en mystère. Parce... Bon, je l'adore ma soeur, mais un peu, quelle connasse, quoi. Ce coup-là, quelle connasse. Je m'en dis tous les jours, hein, mon mystère, hein, je vous jure. Bon, je me dis, d'accord, mais contre ton hentai, je l'ai capturé la veille. Je fais que c'est à mort avec mon hentai, hein, j'étais vraiment le seul de la récré, j'ai envie de vous dire, qui avait réussi à capturer le Pokémon, Pokémon fuyard. Bon, j'étais aussi le seul à... J'étais aussi l'un des seuls à avoir Verfeuille parce que tout le monde a pris Rougefeu. On ne sait pas pourquoi, j'en sais rien. Et j'étais le seul à avoir pris un Florizarre. Enfin, un Bulbizarre du coup, en sortant. Mais du coup, je me demande en vrai, est-ce que Florizarre est aussi nul dans Verfeuille, quoi. Enfin, Rougefeu, Verfeuille, quoi. Dans sa génération, en fait. Le pire, c'est que je pense que oui, c'est encore pire, en fait. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est ça la tragédie. En tout cas, je vous jure que je regrette qu'il n'y ait pas toutes les générations dans ce jeu. Ça doit exister une version cristal avec genre 4-5 générations dedans, quoi. Après, Pokémon Prism, vous voyez, c'est des graphismes de cristal et il y a 4 générations. Il est bien Pokémon Prism, on va vraiment le faire un jour en live, je rigole pas quand je vous disais ça. Votre Altesse. Je le rentre encore une fois. Et normalement, si tu vas à droite dans Rougefeu et Verfeuille, c'est pour avoir Dracogriffe. Et c'est plutôt cool, hein, surtout si tu vas à Dracofeu à ce moment-là. Parce que ça arrange bien avoir Dracogriffe. Ah, c'est vrai qu'on XP mieux ici la journée. Oh, on va bien faire arrêter plus loin au moment, quoi. Il la prend en cascade ou pas, Tortank, du coup. Bon, j'ai fait une connerie avec. On va prendre dans celui. Non, ça, super. Le pire, c'est de monter là en fait. Est-ce qu'on va checker pour séisme ou pas? Ça nous fera XP comme ça. J'ai aussi des points de glace pour les défoncer. Ouais. Parce que s'il apprend séisme, à la place de morsure, en vrai, ça peut être pas dégueulasse du tout. Hein. Il apprend séisme. Il va me dire au son de Francis. Le problème c'est qu'en fait, séisme, ça me permet de passer quoi? Les Pokémon feu? Ouais, mais je les attaque haut. Les Pokémon poison. Ça, c'est... Oui, c'est vrai, les Pokémon poison. Hein, il y a chier. Et au moins, acier, en vrai, il n'y en a pas à part Fortress. Quoi. Bon, allez. Je vais penser. Le truc, c'est que morsure, du coup, bah, les... tout passant, on va devoir le passer avec autre chose. Bah séisme, ouais, je suis con. Et en fait, non, c'est bon, j'ai rien dit. Et du coup, les Pokémon 6, ça va être pareil. Genre, c'est juste aussi le Flagados, par exemple, Flagados peut nous casser les couilles. Hein. Non mais pour moi l'arnaque c'était vraiment Typhlosion séisme quoi. Le truc il doit peser 60 kg tout mouillé. Exo séisme j'aurais bien aimé l'avoir avant quoi. Je suis 59 en niveau. Ah ouais, ok. Bon, franchement, je sais pas où on a foiré. En fait, on a perdu du temps. Mais alors, en vrai, on a vraiment eu un mauvais départ. Enfin, un mauvais départ. On a vraiment eu, comment dire, un premier niveau d'XP. Je saurais pas dire c'est quoi. Non, j'ai pris des notes hier pour, du coup, Typhlosion. Du coup, faudra que j'en prenne. Non, mais là, c'est minimum. Je suis niveau... Ouais, je suis en tombé. Là, je vis tous mes PP. On y retourne, je revide tous mes PP et on va en affronter la ligue, ok? Ouais, là on a de l'avance, hein, 1h37 de live, en vrai là on va à la ligue, on fait maintenant comme ça. À 1h47 on a fini, ça prend 10 minutes la ligue. Je suis reçu du premier coup, j'ai bien.
Mais on va encore, je crois, me dire qu'en vrai la ligue on pourrait y aller maintenant. Je vais faire que c'est du monde. Cette musique. Qui va absolument bien que ce soit une tremble. Pourquoi je voulais pas faire casse-là, je sais pas. J'ai rempli. Tu sais, pour vraiment 3 niveaux de plus, des fois ça peut vraiment faire la différence au niveau des dégâts. Au pire, c'est pas grave, on refera. Je suis pas non plus trop en retard. Putain, je vais en acheter une, mec. Je vais en acheter 3 millions! 10, 5. Ouais, mais dans ces paras. C'est ça en vrai. Hein. Qu'il me faut. J'en prends 10 au cas où. Parce que de toute façon, en vrai, bon, l'argent que j'ai, ça va quoi. En vrai, je serais intelligent, là, j'irai niquer tout l'argent au casino et je me chopperai un petit laser glace. Hein. Bon, vu que je suis au roi des cons. Ah. Ah, faut que je fasse mon PV plus aussi, c'est vrai. Lui m'emmerde. J'avoue. Le prochain, ce qui va m'emmerder, ça va être Farcrest. S'il meurt pas en un coup, c'est... Bah, s'il meurt en deux coups, ça va en vrai. Deux secondes, un peu plus. Sur point glace. C'est beaucoup, point glace, ça sert vraiment beaucoup. Dans ma tête, hein, pas dans le jeu. Ça on fait plus mal que cascade, je rappelle. Vous savez, faire ça après la ligue de mon père, ça va, c'est grave ok. Hein. Putain, par contre, deux fois l'attaque, ça fiche quand même bien chier. Allez! J'aurais eu genre 15 pp de surf, après j'étais dans la merde. Hein. C'est vrai que c'est bien deux attaques. En vrai, Peter, je vais vous dire un truc. Bah. Mais alors tranquille. Oh, manque d'une mauvaise surprise. Bah lui potentiellement peut bien nous faire chier. Je les ai envoyés parce qu'ils avaient genre une attaque avec genre tonnerre. Ou point clair. Allez, nique ta mère! 1h42.
Oh, pas cette musique, j'adore. Ah merde, on a pas vu, je suis allé trop vite. Voilà. Bon, maintenant on est parti pour Alligator. Change de nom. Là, il n'a pas planté, quel plaisir. Et il n'y a même pas eu d'écran noir. Alligator, du coup, le dernier starter. Cette torte enculée était vraiment forte. Allez. En vrai, vous connaissez, c'est bon. Regardez. Hop. Merde.